Appel 118, environ 65 appels abusifs par jour. Des abus de numéro d'urgence ont été constatés. Les sapeurs-pompiers d'Antananarivo reçoivent environ 100 appels par jour, dont une dizaine de véritables appels d'urgence conduisant à des interventions. Les 85% des appels sont abusifs et fausses alertes. Les sapeurs-pompiers comptent 65 appels sans objet par jour et reçoivent même des insultes et 20 appels de fausses alertes. Dans la majorité des cas, ce sont des gamins qui s'amusent en appelant d'un portable, mais il y a également des adultes. On fait savoir le capitaine Renjen Arson. Des mesures ont été prises par les sapeurs-pompiers en mettant les numéros sur la liste noire. Ainsi, les lignes de l'appel 118 ont été multipliées grâce aux collaborations des opérateurs, du commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers et de la commune urbaine d'Antananarivo. Notons que les fausses alertes et les appels sans objet menacent les vraies alertes et les véritables appels. Des biens et des vies de personnes sont en jeu et pour cause, abuser des numéros d'urgence nuit gravement à ceux qui en ont besoin et on aimerait faire appel au sens civique du citoyen. Les pompiers sont à la disposition de la population, c'est dans l'éthique du sapeur-pompier. Il faut en user, mais pas en abuser pour autant, a souligné le capitaine. Pour ceux qui appellent sans objet et qui occupent la ligne, c'est peut-être du temps pris à quelqu'un qui fait face à une urgence vitale, a-t-il poursuivi.